Hey, salut à toutes et à tous, c'est Major Shepard, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur The Walking Dead, un jeu d'aventure dans un style point and click, donc vous pouvez vous dire que ça va être ennuyeux, sauf que ça l'est pas du tout, l'histoire est vraiment très immersive, et donc bah, j'ai envie de la partager avec vous. Écoutez, c'est parti, je fais jouer, PM, nouvelle partie, PM, jouer, PM, et on va jouer en standard. Et donc le premier épisode, un nouveau jour, donc qui a lieu normalement juste après le début de la pandémie, avec tous les zombies et tout ça et tout ça. Tada! Allez, cette série de jeux s'adapte au choix que vous faites. Ah oui, ça, donc j'ai oublié de vous dire, tous mes choix vont influer sur l'histoire. Il n'y a pas qu'une seule fin possible, donc espérons que je vais faire les bons. Ça fait peur. The Walking Dead. Donc, apparemment, pour l'instant, tout se passe plutôt bien. La vie suit son cours. Et moi, je vais en prison. Awesome. Ah là là, je suis un peu un bad boy, t'as vu? T'inquiète, bouge pas, hein. Où veux-tu que j'aille? Donc par contre, le jeu, je crois que les dialogues sont en anglais, je peux. Well, I reckon you didn't do it then. Pourquoi tu dis ça? C'est ce qu'on dit? Quelle importance? Pff, quelle importance? Does it really matter? Nah, not much. Foiré. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Donc je m'en vais en prison. J'ai rien fait de mal. Pas pour moi, à chaque fois. Non, moi je dis pas ça. Moi je dis pas que j'ai rien fait, j'assume. Pose beaucoup de questions, monsieur l'agent. Toutes les voitures doivent rester en vigilance. Apparemment, il se passe quelque chose. Faire. Oh! Regardez dans le rétroviseur. Je t'ai vu! Ouais, ok. Bah, du coup, j'imagine que tu viens aussi de Macon. You're from Macon, then. Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. 70. I always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. Mon histoire avec le sénateur. Oh là, une histoire de meurtre? J'ai fait ça moi? What? Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. C'est en train de dégénérer, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est ça? Any of that seem important to you? All of it. But that box never shuts up. Ouais. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. J'étais prof. You meet your wife in Athens? Parle pas de ma femme. Je sais même pas ce qui lui arrivait. You wanna know how I see it? Pas vraiment. Not really. Well, too bad. It's my car. You might have the right to remain. Salaud. Mean I gotta be. Bah vas-y, parle. Dis-moi un truc. Regardless, could be you just married the wrong woman. Ou elle n'a pas épousé le bon. Je pense que c'est elle qui a pas épousé le bon. J'ai pas su être un bon mari. Ça part vraiment en sucette, on dirait, dans la ville. Hein. Hélicoptère, voiture de police, il y a des émeutes. Ça, c'est le début de la pandémie, mes amis. Mais je veux pas te dire, mais. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Mais peut-être que c'était vraiment pas lui. Crying and snotting all over right where you sit. Hey!
Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Peut-être que c'était pas lui. Il était peut-être innocent, bordel de merde. He was innocent. Innocent? Bien sûr. They caught the fucker red-handed. Bon, wow. Stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. Ouais. He actually believed it himself. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. Allez, raconte. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious. What the fuck? Attention! Idiot! Tu parles trop et voilà. Un accident survient. Je suis réveillé dans le coma. Enfin non, parce que je me réveille pas du coma, mais... Fuck, des zombies! J'espère qu'il est pas en train de se faire bouffer. J'aimerais bien qu'il me détache avant. Ça fait mal. Thirsty. Fuck. Allez, en plus je suis blessé. Cool. Hey. Officer. Hey, officer, are you all right? I'm still cuffed back here. Ouais, bon, bah il a l'air très... Oh, un fusil à pompe. What the hell did he have his gun out? Y'a pas les clés quelque part? Officer! Officer? Oh, that doesn't look good. He wasn't ejected from the car. Ouais? Bah c'est cool. Ah! On va péter le carreau. Allez! Allez! Encore une fois! Encore une fois! Voilà. I need to drag myself out that window. Allez! Bah on y va. Oh, us. Regardez la porte, utilisez la molette. Ah ok, utilisez. Bim. Yeah. Je suis sorti de la voiture. Oh, on a bien volé quand même, bordel. Je suis vraiment mal en point et ça c'est pas cool du tout quoi. Ok. Avant longer la voiture. Ok. On va se mettre en QWERTY, voilà. Bon, on est mal barré mes amis. Hein. Donc j'espère vraiment que le fait qu'ils soient en anglais va pas vous déranger. Vous voyez ça comme un exercice magnifique pour augmenter votre niveau. Vas-y, moi je prends le fusil à pompe. Je le prends. Oh, je vais pas m'éclater la gueule à terre quand même. Cool. Évidemment. Bon, un coup de crosse, ça fait toujours du mal. Hein. Ok, bon, on va chercher les clés. C'est quoi ça? Cartouche de fusil. Yeah, je veux. Ça doit faire mal quand même. Je vais essayer de le reprendre quand même. Même avec les menottes. Comme j'ai une cartouche, ça peut être useful. Looks empty. Fuck you. It'll be easier to carry with these cuffs on. Ok, eh ben on va aller voir monsieur. Officer? Hey, debout. Mec. God damn. Ça va aller? Tu m'as l'air un petit peu fébrile. Officer? God damn. Eh ben... je sais pas. Officer? Je sais pas trop quoi faire.
faut que je trouve les clés. Les clés doivent être sur lui. Alors. Est-ce que je peux pas... Y'a rien à cliquer ailleurs. Hein. Hey, debout. God damn. Fuck you. Est-ce que je peux revenir ici? Why would he have needed that? Officer? 30 secondes de jeu, je suis déjà bloqué. Oh ça. Là, je peux pas y aller, je peux pas y aller. J'essaie de me rapprocher encore plus près de lui, mais il me semble que j'étais bien sur lui déjà. Mec? Ah bah voilà, autant pour moi. Tu te réveilles en zombie? Nickel. Oh non. Pourquoi t'as fait ça? Ah, je suis un petit peu un peu heureux quand même. Alors qu'il n'y a aucune raison. De toute évidence. Allez, hop. Nickel. Oh putain. Je m'y attendais, mais j'ai pensé pas avoir aussi peur que ça. Dégage. Je recule, le fusil à pompe. Le fusil à pompe, vite. Ah, il va t'obéir, bien sûr. Vite. Mettre la cartouche, mettre la cartouche. Non, l'autre sens. Déconne pas. Fuck, 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 fuck. Prends-la, prends-la. Tu vas mourir. Headshot, fatality. Oh, les chiottes. Eh bah c'est cool. Skin's all rotten and he smells like shit. What the hell is this? Un zombie. Bon, est-ce que je peux me mettre debout? Are you dead? Hey! Are you dead? Je pense qu'il est mort, ouais. Se mettre debout. Est-ce que c'est possible? Oui, d'accord. Allez, debout. Je peux pas bouger. Ah, c'est là-bas, j'ai pas vu. Hey, salut toi! Viens m'aider! Oh non, faut pas qu'il y en ait encore, j'ai plus d'armes. En plus, j'ai dû tous les attirer avec le coup de fusil à pompe. Non. Mec. Fuck you. Ok, c'est l'heure de réapprendre à marcher. Bête. Fuck. Tu m'auras pas. Vous êtes trop lent. Salut. Gueule de bois. Je suis foutu. Allez, vite! Allez! Yeah! Ninja! C'est bon, ils passeront pas. Non, ils passeront pas. Coup de fusil. Yeah! Barrez-vous ailleurs! Ouh. Bon! Ah bah, super! Super! Hello. Anybody? De toute évidence, il n'y a personne. I wonder if anybody's home. Eh ben, on va aller visiter. Allez. Non, attends. Non, attends. Annule, grand fou. Hé, est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Dans la cabane au fond du jardin. Anybody up there?
no ladder. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Help! Ok, bon. Hello? Anybody in there? Apparemment, y'a personne dedans. C'est quoi ça? Examiner, service T. Truc de fille, ça. Fill one of those teacups with some bourbon if I can. Ok. Bon, on va essayer de se dépêcher. Je veux pas courir, évidemment. Je vais essayer de regarder un peu plus haut. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Bon, on dirait qu'il y a vraiment personne pour le coup. Allez. Hop, hop, hop. Je rentre dans la maison. Ouvre la porte. Hello. Toc, toc, toc. Bah, je pète le carreau, hein. Allez, bam. Coming in. Don't shoot, okay? Je suis un ami. Ne tirez pas. Petite cinématique, je suis vraiment seulement mouché. Hello? I'm not an intruder. Enfin, si un peu. Or one of them. Tu sens. These people might need more help than I do. Livre de coloriage. Elle a pas fini de colorier l'herbe. Non, non, non. J'ai faim. J'avais soif. Est-ce que je peux manger un fruit? It's fake day. Fuck. Oui, allô? Un message sur le répondeur. Maybe there's something on there. Bah ouais, on va écouter. Three new messages. Message 1, left at 5:43 p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Okay. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Okay. Clementine, c'est leur fille. Et ils étaient pas là. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please. Fuck. Please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Oh là là, ça sent pas bon ça. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. Oh fuck you, ah, putain. C'est la fille que j'ai vue de loin. Daddy? Oh. Qui a parlé? T'es où, Clementine? Clemmy? Clem? Foxtrot Echo Charlie Leader, terminé, répondez. Hello? You need to be quiet. Ok. Are you alright? Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. Je suis pas sûr qu'ils rentrent. Pas sûr que tes parents rentrent. Comment t'appelles-tu? Où sont tes parents? Quel âge as-tu? Comment t'appelles-tu? What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Où sont tes parents? Je le sais déjà. Where are your parents? En vacances à Pennsylvania, Atlanta, je sais pas quoi. They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah. I think. Where the boats are? Est-ce que t'es en sécurité? Are you safe? I'm outside in my treehouse. Ah, je le savais. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? Ouais. I can see you through the window. Coucou. What? Oh fuck! Dégage! Ah! Ah! Dégage, bitch! Bam!
Allez! Oh, fuck, 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 fuck! Dégage, bitch! Clementine, viens m'aider! Bam! Au secours! Clementine! Faut pas qu'elle me morde, Clementine! Oh! Dégage! Donne-moi le marteau, Clementine! Clementine! Donne-moi! Allez, bam! Bitch! Et encore un! Et encore! Voilà! Sympa ta nounou! Super sympa! J'imagine que c'était Sarah ou Sandra, je ne me souviens plus. Salut, je m'appelle Lee. Enchanté. Je l'ai un peu fait flipper, je pense. Did you kill it? Quelque chose d'autre l'a fait. I think something else did. Before me, I think. I heard her scream two nights ago. Maybe one of the monsters got her. Two nights ago? Yeah, that's probably what happened. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. Ouais. I think that might be a little while. Clairement, ça risque de prendre un peu de temps. Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. Ça va aller, Clémy. What should we do now? Par d'ici que le son. Chercher de l'aide avant la nuit. We need to find help before it gets dark. Yeah. It's not safe at night. Je le savais. J'ai pas fini. Let's go. Stay close to me. Ok. J'aurais bien voulu manger un bout ou boire un coup quand même, parce que. Ok, Clémy. On va y aller. Aller là-bas. Nope. Alors, on va aller dans ton garage, j'imagine. J'ai dit rester près de moi, Clémy. Fais pas de bêtises. Je peux pas aller là? Non. Bon, bah. Oh, il y a des gens. Cool. Viens, on va aller les voir, Clem. Oh, man. I ain't never getting home to mama at this rate. This sucks. Well, it's hot dish night. Je pense que je vais leur filer un coup de main. Clémy, viens. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? Il ne faut pas. Je ne veux pas te laisser toute seule. I won't leave you alone. Bah oui. Let's go somewhere safe that's close. Okay. That's a good idea. Hey man. Holy shit. Relax. Don't eat us. Mais on va pas. I'm gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. Mais non. On cherche de l'aide. Que se passe-t-il? Que fais-tu? We need some help. We need help. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Okay, Sean. This is Clementine. Et toi? I'm Chet. Chet. Cool. We shouldn't be able to help with this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's. Pas ma fille, mais okay. It should be safer there. I'm not a dad. I'm... Babysitter. Babysitter. Eh ouais. Her parents are... Je voulais lui rendre service, tout ça. Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? Tu viens vivre avec moi. The monster's coming. We gotta go. Ok, on se dépêche. Quick, let's go. Vite. Push.
Encore un coup? Allez! C'est bloqué! Yeah, Clementine! C'est bon, là, on s'arrache! Vite! Salut, bande de nazes! As babysitters go, I'd say your parents owe you a tip. Je pense pas si bien dire. Je peux vous assurer que je comprends l'immersion du jeu maintenant. Je suis vraiment à fond. J'espère que vous aussi. Si vous avez tenu jusque là, vous allez kiffer les prochains épisodes. Obligé. Je crois qu'on va encore en défoncer un au milieu de la route. Ok, je pense qu'on est chez eux, bah chez leur mère justement. Hey Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. Quoi, mais... It was nice to meet you both. Y'a pas moyen que tu nous héberges là un petit peu? Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. Ouais. You've brought a couple guests. Yeah, c'est... Ton fils est un héros, on a besoin d'endroit où rester. Allez, on va fêter son fils. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter then. C'est pas ma fille. Oh, not his daughter. He's the babysitter. Yeah. Honey, do you know this man? Bien sûr. Yes. Okay then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Un peu, ouais. Fait un peu la gueule, ma jambe. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Okay. Phew. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Femme de chien, c'est pas si grave, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. It'd be worse. That's what it sounds like. Seems like things got awful bad in the cities. What did you say your name was? Je l'ai pas dit. C'est Lee. Je ne l'ai pas révélé. I didn't. Well, now's the time. Ok, c'est Lee. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Enchanté, Herschel. How'd this happen? Accident de voiture. Car accident. That's so. Where are you headed before the car accident? À la maison. Home. J'allais chez moi. Where's home? Tu poses trop de questions. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? Personne. Nobody. T'inquiète pas. Is that so? Ouais, bien sûr. It is. Y avait personne. You said we. Ouais, mais je suis trompé. C'est bon. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there, and we're done here. Okay. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad, so I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. Je pense que ça pourrait être nécessaire. On the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Oh, your son is right. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. Policier mort en pensant que des morts qui marchent. I got chased by a couple of dead people. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. C'est vrai, je peux aider demain. Really. I already said okay. Ah, cool. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow.
Nickel. Merci pour le pansement. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. Ok. What do we do then? On coupera. We'll probably just have to shoot you. Marrant, comique. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. Ouais, complètement. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Merci pour le coup de main. Tomorrow, which way you think you're headed? Fort's making, I suppose. Okay. Alright then. Alright then. Bonne nuit, Clementine. It smells like... du fumier. Manure. Manure? Manure, yeah. Like when a horse plops? Yeah. Just like that. I missed my mom and dad. On va les retrouver. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Sous le nom de ma femme. C'est pas moi qui l'ai tué. Quelqu'un est entré en infraction chez moi. Pas vu le bruit. Hey, get up. Hey, salut toi. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? Je suis pas son père. Not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. Good. We better get going, or we won't hear the end of it. So. That's my boy, Ken Jr. Ken. We call him Duck. Ken et Kenny, ok. N'esquive ou on percute? Depuis quand on m'appelle Ken? Where do parents name their kids Duck? We're from Fort Lauderdale. We were on our way back before things up and went bananas. Sa femme, j'imagine? Word is, you were on your way to Macon. Family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Okay. D'accord, on vous accompagne. Sure, we'll tag along. It's a plan then. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. 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 That is a very pretty name. Thanks. Totalement d'accord. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Toi, tu restes à l'abri. Foreman, you can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Yeah! I will hop to it. Nickel. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Nickel. Clementine, tu restes avec. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode qui s'annonce, enfin qui en tout cas qui annonce de très très bonnes choses, je l'espère pour la suite. J'espère que ça vous aura plu vraiment. Et... j'espère que ça vous aura plu et on se dit à très très bientôt, prenez soin de vous. Salut.